pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort. Pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez reconnu, je suis avec Fouad Esbiri. J'avais rendu visite à Fouad à Lyon il y a l'année dernière, je pense. Ouais, ça fait un an. Ouais, l'année dernière, pile. Et cette fois-ci, c'est lui qui vient à Paris. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je reçois Fouad aujourd'hui. Et alors, l'idée, c'est que Fouad va nous raconter un petit peu sa carrière. On va un petit peu en apprendre un peu plus sur lui parce que vous connaissez certainement sa chaîne YouTube, mais vous ne connaissez pas forcément tout ce qu'il a fait dans sa carrière de boxeur qui a été très importante. Et à contrario, il y a peut-être des gens qui connaissent, un peu plus anciens, qui connaissent ta carrière de boxeur, mais qui n'ont pas forcément d'idée sur ce que tu fais maintenant, tout ce que tu proposes. Fouad, c'est un hyperactif, il est toujours sur plein de projets en même temps. Et donc, c'est intéressant, je pense que tu viens nous raconter ça aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très content de t'avoir. Oh, voilà. C'est partagé. Exactement. Et donc... Tu viens également nous parler de ta toute dernière formation. Yes! La formation de Fouad, elle va sortir dans quelques jours. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. C'est quelque chose qu'on va aborder longuement dans l'interview, notamment sur le fait de qu'est-ce qu'on peut apprendre en ligne et qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre en ligne. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, on en parle régulièrement. Et c'est un sujet que Fouad, il aborde avec réalisme, on va dire. Et donc, c'est intéressant d'échanger sur ce sujet-là. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon cri de guerre, voilà. Et ce qu'on va essayer de partager avec vous, c'est qu'on va vous donner des astuces, des techniques pour que vous puissiez vous entraîner depuis chez vous, déjà, avant même d'acheter ma formation. Et puis après, on va échanger. Est-ce qu'on peut réellement s'entraîner tout seul? Quels sont les bienfaits d'un entraînement seul? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quelles sont les limites? Bref, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Mais après cette vidéo, ce que je peux vous garantir, c'est que vous aurez des petites techniques, des astuces, des méthodes pour déjà pouvoir faire vos entraînements depuis chez vous. Ok, donc c'est la promesse de la formation, yes. C'est intéressant. Ouais, je peux dire. Écoute, Fouad, je te propose de commencer par le commencement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la boxe et qu'est-ce qui t'a amené à la boxe? Est-ce que c'est D'accord. un club près de chez toi Alors en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la boxe? C'est que déjà, j'ai baigné dans les mangas, tu sais, ouais. Chez Zodiac, Dragon Ball Z, okay. Ken le survivant, tous ces trucs-là. Le Club Dorothée, je sais pas si... Ah ouais, c'est si, je suis de la génération aussi. Ouais, Club Dorothée. Donc en fait, j'ai développé cette... Comment dirais-je? Je me prenais pour un héros, en fait, on va dire ce qu'il y a. Hein. Et j'aimais ce... Le contact, la bagarre. Sans goût, quoi. Sans goût. Et donc, à l'époque, je me battais pour un rien. D'accord. J'étais pas un agresseur, garçon. J'étais pas un voyou, je m'évolais tout ça. Mais le moindre prétexte pour se battre, c'était une excuse pour moi, parce que j'aimais la bagarre, et surtout parce que dans ma tête, à ce moment-là, je me prenais pour un héros. Ça va sourire, ça va en faire sourire certains, j'en suis sûr, mais quand je marchais, des fois, je rêvais que quelqu'un se fasse agresser pour que je vienne en super-héros. D'accord. Okay. Et un prétexte, encore une fois, de me battre. Et genre d'être un héros, voilà, moi j'étais gamin. Hein. Donc pas un mauvais gamin, mais un peu de l'énergie à revendre, quoi, déjà. C'est ça, pas un mauvais gamin, mais juste envie de se battre. Après, j'ai découvert un film de Jean-Claude Van Damme. Kickboxer, je pense qu'il y en a plein qui, peut-être, c'est vrai, ont c'est été impactés par ce film. Tongpo. Alors, par contre, t'as vu, hein, ils disent kickboxer alors que c'est de la boxe live. Ouais, attends. Mais ça sera pas le seul petit point de détail à revoir sur le film. Mais... Et pourtant, tu pourrais dire quand même à l'époque, ils sont partis en Thaïlande, tournés. Comment ils peuvent dire kickboxing alors que c'était de la boxe live? Je pense que Muay Thai, les gens connaissaient même pas. Ouais, peut-être aussi. C'est vrai. C'est le truc. C'était kickboxing, ouais, c'est kickboxing avec low kick. À l'époque, on disait ça comme ça. On n'a pas de faux contact. Bref, je suis tombé sur ce film, j'étais un fan de Van Damme. Voilà, c'était. Je suis vraiment là, un fan de la lui. Révélation. Et je vois kickboxing, et je regarde que dans ma ville, il y a un club de kickboxing. D'accord. Donc direct, t'as vu le film, l'endroit. Exactement. Tu... Et l'entraîneur, c'était l'entraîneur de l'équipe de France. Je d'accord. Je rêvais mieux. Et quand j'y suis allé, on m'a dit non, t'es encore trop jeune, je crois. D'accord, t'avais quel âge? Je sais plus quel âge j'avais. Quand j'ai commencé, j'avais 13 ans, donc je devais avoir 11 ans, tu vois. D'accord. Dit, 11, ouais, peut-être 18, 11 ans. On m'a dit non, c'est trop tôt, attendez 2 ans. Et donc 2 ans après, je suis revenu. D'accord, donc 2 ans de patience. Exactement. Et pendant 2 ans, t'as fait un autre sport à côté ou t'as... Franchement, je m'entraînais tout seul. D'accord. Déjà, quand je parlais, je m'entraînais vraiment tout seul. D'accord. J'avais des petits gamins dans ma petite résidence. Ouais. Et je me prenais pour le chef de la bande. Allez, venez, on va s'entraîner. Déjà le truc. Les entraînements, monter dans les arbres, monter sur les garages. Truc d'enfant, quoi. Un peu ninja. C'était un peu l'époque, un peu mode ninja. Et très rapidement après, j'ai été. Comme j'étais passionné. Tu vois, il y a la passion, développer un certain talent. Mmh. Ben, je suis très rapidement devenu vice-champion de France. Ah, donc, je attends, me suis cassé le bras. Tu vas vachement vite, là. Tu commences avec... comment il s'appelait l'entraîneur de l'époque donc, Richard Gurie. D'accord, ok. C'était Muay Thai, c'était kick, c'était kickboxing. Quoi? D'accord, c'était j'ai un club de par kickboxing. D'accord, ouais. Donc kickboxer, kickboxing. Et à la rigueur, c'est pour ça que ça m'arrange d'une certaine manière que le film l'appelait kickboxer. Parce que s'ils auraient dit boxe-lai,
j'aurais peut-être pas fait de kickboxing, vu qu'il n'y en aurait pas. T'aurais fait très peu de clubs, bah, je sais pas ce que j'aurais fait. Ah oui, d'accord, ok. J'aurais dit, il n'y aurait pas eu de Muay Thai, ce serait pas ce que t'aurais fait. Parce que de boxe là à Lyon, il n'y a pas beaucoup à l'époque, donc j'aurais dit merde, il n'y a pas de boxe. Qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être que je me serais orienté vers la boxe anglaise, je sais pas. D'accord. Tu vois, mais j'ai commencé par le kickboxing et 2 ans après, je perds en finale des Champions de France. Donc, j'avais 15 ans. 2 ans de kickboxing, donc, okay. Donc tu commences à 13 à 15, donc une bonne progression dès le début. Non, parce qu'à ce moment-là, j'ai un arrêt dans ma vie, un petit trauma. D'accord. En finale des Champions de France, je suis malin, une belle cicatrice de guerre. Non, mais t'es déjà en finale des Champions de France, ah ouais, ouais. Je me suis cassé voir. Mais attends, moi je veux parler du fouet débutant. Comment s'est passé pour le fouet débutant? Est-ce que t'étais assidu? Est-ce que t'étais rapidement doué, donc il t'a pris un peu sous son aile, ou est-ce que tu as fait que tu fasses tes preuves? Il m'a pas pris sous mon aile, mais tout de suite il a repéré que j'étais motivé et je boxais avec des mecs, parce que j'étais petit, j'avais 13 ans, je boxais avec des mecs, bah, les adultes qui avaient 20 ans, 25 ans, ouais. Et j'arrivais à bien me débrouiller. Ouais, t'as le charbon, quoi. Sauf qu'à l'époque, j'étais dans les films, et on pensait que les films coupés retournés, c'était ce qui est de plus efficace. D'accord. Donc j'avais un système de boxe un peu beaucoup de coupés retournés, beaucoup de chichis qui servent à rien, en saisie, blocage, là, enfin pas de saisie, mais là au kick. Et donc après, j'ai peaufiné mon système et j'avais un système, enfin une boxe un peu aérienne, un peu spectaculaire. Okay. Donc, pas forcément très efficace, mais spectaculaire, et je marquais les points. Et surtout, j'avais peur de rien. D'accord, j'aimais la bagarre. Ouais. Donc même si les mecs y cognaient. Ça t'avait pas peur. Non, vraiment. Et du coup, premier combat, c'était à quel âge? Direct. Après, 14 ans. Donc l'année d'après, t'as un an. Là j'ai commencé les combats, voilà. Après, il y avait les qualifications pour le championnat de France. Et après, je monte à Gisors pour faire mon championnat et je perds en finale. Et c'était. Il y avait plusieurs classes à l'époque. Ouais, mais comment ça marchait par rapport au FED? Il y avait déjà plusieurs classes. Il y avait, je crois, des fédérations. Bah, c'était pas comme maintenant, mais il y avait 2 fédérations de kickboxing. 3 fédérations ou 2 fédérations de boxe thaï. C'était déjà le bordel. Ouais, beaucoup moins maintenant. Ouais. Franchement, non, beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est quand même beaucoup plus structuré. Et donc, je perds en finale et on me dit, monsieur Sbieri, la boxe, c'est fini. Donc, attends, tu perds en finale. Déjà, c'est des combats à protection ou sans protection? Non, c'était casque, c'est à la touche, hein, c'est du live. Ok. Et tu te casses le bras sur un coup, tu tombes. On sait pas. Ah, ouais, sérieux? Mon bras, il tombe. Tu vois, comme ça, le bras, il bougeait. Comme ça. Putain, genre rupture complète. En plus, c'était le dernier round. Et moi, vraiment, tu sais, dans ma tête, je dis. Je pensais gagner le combat. Je dis à l'arbitre, c'est pas grave, bandez-moi le combat. Je finis le combat. J'étais vraiment dans les modes film. Tu te remets l'épaule et tu Royal Kids. Ouais. Bandez-moi, je vais combattre avec moi. J'étais vraiment dans un sale délire, on pourrait dire. Mec, il me dit non, vous avez une luxation de l'épaule. Alors que c'était mon bras qui était cassé. D'accord. Et je suis rentré et là, on me dit arrête la boxe. Et avant de faire du kickboxing, j'avais vu le film aussi Bloodsport. Ouais. Qui disait, quand je serai grand, je ferai le comité. Bah, je dis à ma mère, quand je serai grand, moi aussi, je le ferai, je serai champion du monde. Et tout le monde te regarde, tu dis, ouais. C'est bien. C'est bien, mon fils, t'as raison, c'est bien. Mais personne n'y croyait. Ouais, bien sûr. Et là, on te dit, à 15 ans, arrête, terminé, tu pourras jamais faire de boxe. Okay, donc là, c'est dur. Et là, j'ai pris une grosse gifle. Je pars du taekwondo pour essayer de compenser. Pareil, j'ai fait plein de résultats. Déjà, tu te remets un petit peu au niveau de bras. J'ai eu une bonne oreille. On a eu des broches, des vis. En rééducation, ouais, peut-être 6 mois, un truc comme ça. D'accord, okay. une année de galère à 15 ans, ouais, mais bon, ouais, 15 ans, t'as envie de... Mais tu récupères très vite aussi quand t'as 15 ans. Ouais. Tu vois, voilà, très très vite, et puis voilà, quoi. Donc après, pendant ce temps-là, tu passes au taekwondo. Yes. Donc là, tu développes un peu, déjà ton style aérien, on t'en parlait, donc exactement. Tu continues un peu. Non, c'est l'inverse. Quand je suis parti au taekwondo, j'ai apporté mon style de kickboxer. D'accord. Je bloquais les mandolios, je crois qu'ils appelaient les bandales. Tu coupais comme les middle. Ouais. Façon de taille. Ouais. Et je mettais beaucoup de points. D'accord. J'avais un système très agressif. Eux, c'était vachement à distance. Plein de coups de pied. Ils mettaient plein de coups de pied. Je bloquais. J'envoyais. Okay. Donc là, je faisais de la boxe. Ok. Donc c'est marrant, c'est paradoxal, mais c'est marrant, ouais. On a croisé. T'as croisé. Et donc là, t'en as fait combien de temps du taekwondo? Juste 2 ans. Et c'était 2 ans parce qu'après. Ouais, bah, c'était une expérience. Bah, déjà, ça m'a permis de ne pas rester à rien faire. Ouais. Et de rester dans la compétition. Mmh. J'ai fait les qualifications pour la Champions de France. Alors à l'époque, j'avais pas la nationalité française. D'accord. Parce que je suis d'origine marocaine. Ouais. Et on donnait la nationalité à l'époque. Hein. Il fallait attendre, je crois, c'était combien? 18 ans. D'accord. Je crois qu'il fallait être majeur pour avoir ta nationalité. D'accord. Donc, j'ai été qualifié au taekwondo. Mais j'ai pas pu le droit parce que j'étais pas français. D'accord, ok. Ça, c'est fou, hein. À l'époque, tu vois, pour te dire comment ouais, ça. Ouais, c'est ça, clair. Mais ça m'a permis de rester dans la compétition, l'entraînement, garder ma motivation. Sinon, tu vois, j'aurais. Ah, c'est important, bien sûr. Peut-être que j'aurais fait autre chose et peut-être que j'aurais abandonné, tu vois. Ouais, bien sûr, ok. Donc, tu te décourages pas, 2 ans de taekwondo. Ensuite, qu'est-ce qui te fait re-switcher du coup t'arrives quand t'as 18 ans et à quel moment tu repasses vers autre chose que le taekwondo? Tu repars à la boxe Non, c'était quoi? Non, après, bon, à l'époque, il n'y a pas encore beaucoup. À Lyon, il n'y a pas encore de club de boxe. Il y avait un club, c'était un Thaïlandais. Qui revenait, bah, il y avait Kronsak, je crois. Ouais, Kronsak, ouais. Kronsak qui était à Lyon, mais un coup il était là, un coup il n'était pas là. D'accord. Et puis,
Et puis, j'avais pas de moyens de transport. C'était loin sur Lyon, tu vois. Moi, j'habitais une commune qui était à côté de Lyon, Sainte-Foy-les-Lyon, tu vois. Et après, mon prof, il donnait des cours un peu de jiu-jitsu brésilien, de jiu-jitsu. D'accord, mais ton prof de taekwondo ou Non, de boxe, là. Donc, ça, t'as repris la boxe à ce moment-là? Donc, en fait, je vais trop vite, je suis désolé. on les a peut-être perdus. ils vont nous rattraper, on y va. Pourtant, j'en parle rarement de ça. Donc, justement, c'est hyper intéressant. Donc, tu arrêtes le taekwondo. Pourquoi t'arrêtes déjà? Est-ce que tu t'épanouis plus? Non, mais c'était pas mon truc. Moi, ce que j'avais envie, c'était de la castagne. D'accord. C'est beaucoup de contraintes. Ouais, ouais. T'as pas de low kick, tu mets pas les points. Et c'est tout, quoi. Tu récupères, t'as récupéré peut-être le. En fait, ton bras après, aussi, après à un moment donné, mon bras, j'ai fait une radio. Ils ont dit, c'est bon, il a bien. D'accord. Il s'est bien remis, tu vois. Tu peux, même, il était bien. Il était plus dur que... Plus épais, ouais. Plus épais, quand t'es jeune, voilà, il s'est vraiment bien consolidé. Et du coup, bingo, j'avais le feu vert pour refaire de la boxe. D'accord, ok. Donc j'ai arrêté taekwondo. Je voulais faire les deux à un moment donné, mais c'est dur de consacrer deux sports qui sont complètement différents. En termes d'appui, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas même les distances, tout, c'est pas... Et la boxe, c'est juste... Donc là, du coup, tu repars dans ton club d'avant ou... Kickboxing, je retourne sur mon club. D'accord. Ouais, ok, donc là, on revient... 15 ans, je me baisse, donc je devais avoir 17 ans. D'accord. 17 ans. Et ouais, c'est 17 ans, et après l'année d'après, j'étais champion de France. Ok, super. Champion de France du junior. Tu vois. Donc là, t'as la bonne reprise. Terminé, champion de France du junior. Okay. Tu vois, après, j'enchaîne même pas une classe B, je passe classe A. D'accord. Et après, j'étais 4 fois champion de France consécutif en kickboxing. D'accord. En classe A. Classe A, c'était les pros de l'époque, ce qu'on dit pro maintenant. Parce que maintenant, les classes A, c'est pas pro. Oui, ça a changé. À l'époque, c'était classe A, c'était le plus haut niveau, maintenant, c'est pro. La classe A, c'est les classes B, ouais, on va dire. La suite, c'est pareil. C'est, ouais. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que tu as fait D, tout est carré, machin. C'est que tu prends à la FMT, tu prends un classe A. Le mec, ça peut être un pro international. Donc, tu vois ce que je veux dire. En fait, dans la FKMDA, classe A, il a un casque. Il a pas de casque, mais il a protégé, je crois. Non, il y a. Alors, FFKMDA, moi je connais pas très bien, mais il y a classe A élite et classe A pro, je sais pas quoi. Ils ont un peu changé les trucs. Ouais. De manière générale, moi, quand je vous parle des classes, je prends l'ancien système et le système actuel à FMT, où les classes A, c'est le top niveau, entre guillemets. Mais maintenant, non. Bah, classe A, c'est pas le top niveau, c'est pas pro. Bah, non, c'est classe A et pro. Pour la FFKMDA. Okay. Et moi, à l'époque, donc c'était pro. D'accord. Dire. Pro, tu vois, j'ai eu. Je sais même pas si j'ai pas eu le record de titre consécutif de champion de France. D'accord, ok. Donc je partais en équipe de France. Et en même temps, j'ai fait du MMA. C'était le début du MMA. Dans quelles années, là, déjà, le MMA? Là, ouais, c'est bon, et moi, c'est 90, hein. Les premiers UFC, c'était 93, je crois. Ouais, 93, c'est 93, 94. Donc, dans les années 2000, ça, c'était... Non, mais bon, en France, personne ne connaissait, quoi. Enfin, Si, il commençait à y avoir des compétitions de MMA. Après, il y avait l'UFC, il y avait le Pride. Et puis, il commençait à y avoir des organisations. En France, c'était pas connu, interdit, mais... Mais donc, du coup, là tu t'es dit, OK, je fais du kick, j'ai des super bons résultats nationaux. T'avais pas encore de combats internationaux? Si, après j'étais champion d'Europe. D'accord. J'ai fait des combats. Après, à l'époque, il y avait un peu moins de galas que maintenant. Ouais. C'était pas comme, il y avait plein de fédérations, plein de trucs. Mais, j'ai boxé déjà plein de combats. Tu mènes ta carrière de kickboxer Kickboxer. Et en parallèle, les MMA. Qu'est-ce qui te dit? Vas-y, je passe au MMA. L'efficacité. Parce que pour moi, c'était l'efficacité. Moi, je cherche à être le combattant le plus complet d'accord, possible. D'accord. T'es un champion de kick. C'est limité, reconnu. Et là, tu vois la discipline MMA qui arrive, ça t'intéresse. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu vas dans un cours, enfin, tu vas dans un club de MMA, tu dis à ton entraîneur de kick, attends, je vais compléter avec du sol. C'est ça. Et donc là, tu t'adresses à qui pour te former au sol et Personne. Personne. Personne, parce que à cette époque-là où, quand moi, je me suis mis dans le machin, c'était la guerre des disciplines. Déjà, entre nous, c'est la guerre entre le kickboxing et la boxe thaï. Ouais. À l'époque, je faisais des genre kicker contre Nakmoué, tu vois. Ouais. Et à l'époque, on dit, ouais, mais Nakmoué, ils savent pas enchaîner, ils sont nuls en anglaise. Ouais. Et puis les mecs de Nakmoué disent, ouais, mais vous avez pas de corps à corps, pas de coup de coude, vous êtes pas puissant. Bref, c'était un petit peu la guerre. Et donc déjà, c'était de la guerre, là. Mais quand tu faisais du MMA, c'était chacun représenter sa discipline. D'accord, ouais, pas ok. Tu t'entraînais pas au sol. Exactement, tu ouais. Tu faisais pas du sol ouais, pour faire sûr, du sol. En fait, tu faisais, ok, j'allais en tant que kick, et top. Mais c'est intéressant. On faisait du sol, mais pas comme on le fait mais maintenant. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est les premiers UFC. C'était les premiers UFC où si vous voyez les premiers, il est sur YouTube, le premier UFC, il est sur YouTube, vous pouvez voir. Et effectivement, c'est chaque école de quartier qui vient se bananer. Ouais, et il n'y a pas de mec qui se dit, qui a fait du pied-point, de la lutte, du sol. Chacun vient avec son bagage, en fait. C'est effectivement, c'était cette optique-là. J'avais fait un combat, je me rappelle, avec dans une boîte de nuit, parce que c'était interdit, donc on avait dit que c'était un combat, c'était Macumba, je crois, la plus grosse boîte d'Europe, et on disait que c'était une démonstration, et en fait c'était des vrais combats de MMA, et genre champion de France de kickboxing,
qui affrontait, non, j'étais champion d'Europe, je crois, à l'époque, et j'affrontais le champion d'Europe de judo brésilien. Ah ouais, ceinture d'accord. Noire, okay. Brésilien, nanana. Olavo Bello, si tu m'écoutes, dédicace à toi. Et le combat, en fait, il y a eu un espèce de no contest. Le mec, il prend mon dos, donc il arrive à mener au sol. Ouais. Et c'est là où tu t'aperçois. Et c'est là où tu t'aperçois que, en fait, si t'as aucune notion de lutte, bah, mort, de défense de sol, ouais, en vrai, tu peux être qui tu veux. Ouais, si t'as pas réussi à le coacher, à le mettre KO, tu vas finir au sol. Et après, c'était fini pour toi. Et lui, il avait réussi à prendre mon dos. Tu vois, en plus, c'était vraiment le début, donc je t'y connaissais, mais alors, que dalle! Et puis, pour moi, c'était, il faut pas que j'aille au sol. Il faut pas que j'aille au sol. Donc, en fait, tu combats, et puis c'était au sol, bah, en fait, c'était la merde. C'est pour vous dire à quel point, en fait, on était stupides. Et le mec, en fait, il me prend le dos, et l'arbitre, il arrête le combat, alors que j'ai pas tapé. Et il me regarde, je dis, non, c'est bon, tout va bien. Ouais. Il arrête le combat, et donc après, ça fait un bordel, et donc on a une petite erreur de, parce que tu sais, il me parlait, et je dis, non, ça va, tout va bien. Bon. Il a flippé. Il a flippé. Ouais. Alors après, attention, hein, j'ai pas dit que j'ai gagné le combat. Parce que j'étais derrière. Ça s'arrangeait pas. Ça partait pas hyper bien. Et en plus de ça, sortir de là, en plus à l'époque, je connaissais pas. C'était juste au mental. Mettais les mains, j'essayais de résister. Peut-être que j'aurais pu m'en sortir. Peut-être que j'aurais même fait dodo. Aucune idée. Je préfère même pas savoir. Pour moi, j'ai pas perdu dans le sens où j'ai dit. Ok, voilà. Ça. Ça. Et après, ça, je découvre le Muay Thai. Le Muay Thai. Okay. Je vais en Thaïlande me former. Faire un stage là-bas. Donc là, après, c'est ton côté touche à tout qui ressort. C'est ça. Que tu as toujours maintenant. Ouais. Et tu te dis, ok, donc je vais apprendre auprès de tout le monde, quoi. En fait, moi, j'ai l'esprit qui est vachement ouvert. Donc je vais piocher un petit peu dans toutes les disciplines et prendre le meilleur dans chaque discipline, tu vois. Donc aujourd'hui, je peux ni dire que je suis un kicker, ni dire que je suis un akmoué. D'accord. Je suis vraiment le mélange entre hybride. Mon système de kicker dans mes enchaînements. Mais après, je vais te rentrer, dès qu'on est prêt, je vais te rentrer en coude, en genou, corps à corps. Un système, des fois, à taille, où je vais avoir une garde vraiment taille devant pour casser gêné. Des fois, je mets plus en boxe anglaise. Bref, j'ai un système un peu hybride, on va dire. Et donc là, je décide d'aller en Thaïlande parce que le kickboxing était limité. Mais pour le MMA. Est-ce qu'à ce moment-là, ta carrière de kick, elle continue ou bien sûr. Donc, tu es toujours pro, là. Bien sûr. Par exemple, moi, j'ai un de tes combats en tête, c'est contre Mourad Sarri. Ouais. C'est à cette période-là. À ce moment-là, c'est là où j'ai été champion du monde. D'accord. Et là, ça y est, j'avais déjà commencé à faire la taille. D'accord, ok. On n'y est pas encore. Voilà. Okay. Là, j'avais fait un séjour. En fait, quand je dis que moi, je passais mon temps à m'entraîner, eh ben, je choisissais mes destinations de vacances, mes vacances pour m'entraîner. D'accord. Donc, je suis parti au Brésil pour faire du jeu brésilien. D'accord. Je suis parti. Mon premier séjour en Thaïlande où j'ai découvert la boxe thaï, c'est que j'avais 19 ans. D'accord. Tu vois, donc, je venais juste d'être champion de France junior de kickboxing. Et l'année d'après, boum, 19 ans, j'ai économisé de l'argent. Et je vais en Thaïlande. T'as été où, Thaïlande? J'étais à l'époque, c'était... Alors, je suis allé où? Je suis allé parce que je suis atterri à Bangkok. Et il m'est arrivé une grosse mésaventure en Bangkok où je suis tombé contre des Africains qui parlaient français. Et je suis dans un système, ils voulaient que je leur passe de la drogue. Ah ouais, pas bon du tout. Ouais. Ils disent, t'as un passeport français et tout, bah, ça serait bien, vas-y, on va te présenter à notre chef et tout. Et en vrai, j'étais gamin, j'ai flippé. Et je rencontre un gars que j'avais connu, un Tunisien qui était là-bas, il me dit, oh, mais non, c'est des trafiquants, tu vas finir en prison, ils vont te tuer. Et il m'a fait flipper, lui. Donc j'ai pris mes affaires, il y a un gars qui me dit, je vais à Pattaya. Je dis, vas-y, je viens avec toi. D'accord, okay, je suis parti à Pattaya. Et je suis parti m'entraîner à Pattaya. Ne transportez pas de drogue. Qui n'était pas du tout le Pattaya de maintenant. À l'époque, c'était un peu calme, parce que la Thaïlande, dans les années, c'était en 1999, tu vois. C'était pas connu, la Thaïlande. À l'époque, quand j'ai dit que je vais en Thaïlande, on m'a dit, mais t'es un fou. Ouais, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? T'sais, c'était vraiment pas connu. Ouais. Donc, il y avait très peu de touristes encore, tu vois. D'accord. Là, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc, on se retrouve à Pattaya. Et donc là, voilà, boum, et là, je découvre la boxe thaï. Et là, c'est waouh, génial. Le corps à corps. Ouais, donc cool. Et là, tu découvres une autre puissance. Mm-hmm. Tu t'aperçois que le kickboxing avait des limites. D'accord. Voilà. Ça, c'est deux choses différentes. Quoi. C'est pas les mêmes appuis. Voilà, et après. Voilà. Après, mais j'ai continué quand même à boxer en kickboxing. D'accord. Parce que pas encore suffisamment d'expérience en corps à corps. Mmh. Alors, tu vois, et en plus, moi, j'ai un système de boxe où je débite. Et donc, en taille, quand je boxais contre des tailles, ils viennent. Et eux, pour saper ma boxe, ils vont t'accrocher. Tu ouais, vois. Bien sûr. Même les boxeurs, enfin, quand je boxais contre des kickboxers, ils vont m'accrocher pour éviter que je débite. Que donc, ça me casse le cou relais. Donc, j'étais pas encore assez peaufiné, donc j'ai commencé. Et quand j'ai boxé Mourad Sarri, c'est là où j'étais mon premier titre de champion du monde de kickboxing. D'accord. C'est le A1. Ouais. Où lui, je le bats en demi-finale. En finale, j'ai battu Joseph Ugakandi. Et en quart de finale, j'ai battu Pete Spratt. Ok. Voilà. Tout ça dans la même soirée. Ok. Trois combats dans la soirée. Trois combats. Voilà, c'est là, j'étais champion du monde A1. Ok. Voilà. Donc là, t'es au top de ta carrière ou ça a encore évolué derrière? T'as combattu combien d'années non, encore? Non. Après, c'était en 2005, j'ai boxé 4 ans, en vrai. D'accord. Et après, après, j'ai fait un autre titre de champion du monde de kickboxing. J'avais fait avant un titre de champion du monde d'Absolute Fight en 2003. Toi, j'avais 23 ans. Okay. Et donc, dans une fédération, il y avait
Fabrice Ouverdouble qui était champion du monde de l'UFC, ouais. Il y avait Maurice Rimbaud, il y avait c'était David François, Grégory Bouchelaguet. Mm. On s'est tous rencontrés, enfin, on a, tous les Français, on était dans la même soirée. Et là, là j'avais été champion du monde d'Absolute Fight. Absolute Fight, c'est quoi? C'était du MMA, ouais. Mais c'était sur un ring. D'accord, ok. Et les frappes n'étaient pas au visage. Un peu en mode Pride. C'était du Pride, mais à l'époque, pour que ça puisse être diffusé à la télévision et ce combat avait été diffusé sur Eurosport, il fallait pas frapper au visage. D'accord, okay. C'était un peu trop violent pour les gens, okay. Donc on a dit ok, on frappe encore règles, pas de visage, d'accord. On modifie un peu, tu vois. Ok. Voilà. Et après, je finis avec un titre de boxe thaï. Je ne sais plus dans quelle fédération, mais une fédération boxe thaï. Et je reprends du monde de boxe thaï. Peut-être c'est le seul titre qui veut rien dire, parce que les vrais champions, bah, ils font pas, je sais pas, du monde. Les vrais champions, ils font l'opinion, ils rajoutent. Voilà, effectivement. On me parle très souvent, je ne vous refais pas mon topo. Mais bon, il ne veut rien dire, oui et non. T'as la scène thaïlandaise, t'as la scène quand même internationale qui se rencontre. Non, ouais, mais tu ne peux pas dire que tu es champion du monde dans le sens où les meilleurs, tu ne les as pas affrontés. Bien sûr, bien sûr. Donc ça ne veut rien dire. Non, mais c'est sûr. Après, ça dépend de ta catégorie. De toute façon, ça veut rien dire. Si tu fais 100 kilos, tu es le meilleur du monde sans avoir été en Thaïlande. Donc bon, après, ça ne veut rien dire même dans les autres sports, parce qu'il y a plein de fédérations, il y a plein de poids, ok, on est d'accord. Mais en boxe thaï, les vrais. Ils ne boxent pas. Ils vont boxer maintenant. À l'époque, en plus, ils boxaient pas dans, ils sortaient pas du pays. Quand ils sortaient du pays, c'était parce que ils étaient en fin de carrière. Mmh. Et là, ouais, on les autorisait à sortir. Mmh. Maintenant, c'est un peu différent parce que avec le One Championship déjà. Avec le quoi? Le One Championship, tu vois. Ouais, le One Championship, ouais, t'as les champions du Lumpini et du Raja qui boxent au One International, ce qui a jamais existé avant. D'accord. Le ONFC là. Ouais. D'accord. Exactement. Et donc t'as la partie MMA, t'as la partie Muay Thai. Voilà. Et donc t'as des champions du Lumpini en titre. Qui, comme le One, c'est une organisation avec des gros sponsors thaïlandais, bah, il s'arrange avec le stadium. Et du coup, d'accord. Le champion du stadium peut aller boxer d'accord. Un mec de n'importe qui. C'est jamais vu avant. Et c'est pour d'accord. ça que le One, moi j'aime bien. Alors là, donc là, le gars qui gagne le titre machin, lui, déjà, c'est. Bah, la ceinture du One, c'est pas mal, tu vois. Parce elle sera quand même mieux que le Lumpini. Si, bah, je suis pas de Lumpini. Mais en plus, t'as aussi les autres étrangers. Pourquoi elle est pas mieux que le Lumpini, selon moi? C'est que ta ceinture au One, tu vas affronter le circuit One et puis on va te donner un title shot. Alors que la ceinture du Lumpini, ce qui en fait la valeur, c'est qu'il faut monter tout le ranking au Lumpini pour avoir ton title shot. Ça veut dire que tu dois devoir boxer plusieurs fois par mois avec contre des tailles du circuit taille, etc. pour qu'en final, on te donne cette chance. Donc le rythme des combats au Lumpini est tellement élevé que la difficulté, elle vient vraiment aussi de là, selon moi. Mais je suis d'accord avec toi que c'est intéressant comme. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que l'Lumpini, il y aura que des tailles. Ouais. Et aujourd'hui, les tailles ont perdu. On peut pas dire que c'est fini. C'est eux les meilleurs. Il reste les meilleurs. Ça dépend à quelle catégorie de poids, mais. Ça dépend à quelle catégorie de poids, mais je veux dire, c'est pas. Avant, t'avais les tailles et t'avais tout le reste. On était vraiment, il y avait une grosse différence. Aujourd'hui, Ça s'est un petit peu lissé. Je suis d'accord. Et donc, ça veut dire que. On peut aller les challenger. Mais après, tu prends les champions du Lumpini et du Raja, il n'y a pas tellement de non-taille. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus la majorité, tu vois. Donc, il faut dire qu'ils ont un tel vivier de boxeurs aussi que pour, tu vois, 10 combattants pro du reste du monde, tu vas en avoir, je sais pas, 150 tailles. Donc, c'est aussi ça qui les rend très très forts en plus de leur entraînement. Mais je suis d'accord. Donc, il y a le One, effectivement, qui unifie un petit peu ce truc-là et qui, à mon avis, est de l'intérêt. Et donc, qu'est-ce qui arrête ta carrière pro au final? À quel moment tu prends la décision d'arrêter? En fait, ouais, je dis, à l'époque, c'est pas encore une fois plus. Moi, j'ai pas d'entraîneur, je m'entraînais seul. Tout seul? Ouais, je m'entraînais seul. Info, hein, il fallait que je trouve mes combats. Pas de manager, pas d'entraîneur. Donc, ça commence à faire beaucoup, quoi. Pas d'entraîneur, pas de manager. J'avais déjà un club de boxe. J'étais en fac de sport. Ah, t'avais créé ton club j'avais déjà? J'avais déjà créé mon club. Mon club, je l'ai créé en 2002. D'accord. Donc, okay. Quand je combattais, moi, j'avais déjà un club. D'accord, ok. Pour payer mes études. D'accord. Tu vois, parce que voilà, j'étais embauché à l'époque par MJC, après j'ai ouvert mon club, bref. Et donc, c'était dur de tout suivre. Okay. Il n'y avait pas des grosses opportunités. À l'époque, il y avait le K1, grosse organisation de boxe, il n'y avait pas. Le Thai Fight, tout ça n'existait pas. Et donc, il n'y avait rien. En France, bah, t'as vu, c'était émergent, on va dire. Ouais, voilà, j'avais boxé la Nuit des Champions, j'avais boxé des grosses organisations, mais. Ça te nourrit pas. Hein, c'était pas ça. Et donc après, il fallait que je prenne une décision. Et donc j'ai ouvert ma salle privée. Et après, donc la salle, tu l'ouvres direct à Lyon? C'était ta salle actuelle ou il y a eu un intermédiaire? Non, j'ai enseigné dans une MJC. Après, on a ouvert l'association où j'ai donné des cours dans 3 clubs différents sur Lyon. Ouais. Et après, j'ai tout recentralisé sur la salle actuelle. D'accord. Là, j'ai loué une salle privée, ce que je suis encore maintenant. Donc, tu ouvres ta salle actuelle, la salle où je t'ai rendu une visite. On vous remettra les liens là, en haut des vidéos qu'on a sorties. Donc, c'est une super belle salle, honnêtement. Et là, tu commences à avoir des combattants pro. Comment tu t'orientes vers public, tout public? Comment ça se passe? En fait, d'entrée de jeu, comme moi, j'étais compétiteur, j'ai déjà eu de former des gars qui ont été champions. Ok, donc, d'accord. Champion de France, compagnie, quoi, toute la suite. Et puis après, au fur et à mesure, il y a mon petit frère
qui a été champion, qui est champion du monde aussi. Et j'ai tout le vivier de boxeurs que j'ai maintenant. J'ai Farésiam qui combat, qui a signé un contrat à l'UFC, tu vois. On est rentré à l'UFC, donc c'est énorme. On a Mouad Oumer qui était en Thaïlande, qui a boxé il n'y a pas longtemps, qui a été champion du monde aussi. Ouais. Puis après, des mecs qui ont été champion de France, champion d'Europe et d'autres qui ont été champion du monde, on a eu un paquet. D'accord. Okay. Donc, en même temps, j'avais ma fac, en même temps, j'avais mon club. J'avais déjà des compétiteurs où tous les week-ends, pratiquement à l'époque, je partais en déplacement. C'est une période très enrichissante et très fatigante aussi, très stressante, parce que les compétiteurs, il faut les motiver, il n'est pas au poids, un coup il vient pas. C'est toujours pareil. Et en plus, il faut leur trouver des combats constamment, il faut les passer le coup de téléphone, c'est dur quand tu as plein de combattants qui boxent régulièrement pour qu'ils restent motivés. Il faut du réseau. Donc ça me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc moi j'ai mis stop à ma carrière. Et puis, comme je te dis, il n'y avait pas autant d'organisations que maintenant. La Glory, aujourd'hui, pour combattre, c'est quand même beaucoup plus facile que l'époque. C'est simple, ouais. Tu vois, si j'avais plus de facilité, bon, ouais, peut-être que j'aurais... Et du coup, t'as ouvert direct ta salle en mode cours de kick, de thaï, de MMA. C'était direct tout sport, en fait. Alors, le MMA, j'ai commencé dès le départ. D'accord. Parce que je m'entraînais déjà en MMA et j'aimais beaucoup le combat au sol, ça complétait ma partie. Et puis, comme je te dis, depuis que je suis tout petit, je me pensais que j'étais un super-héros, donc j'ai toujours cherché à être le combattant le plus complet possible. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait de la boxe anglaise aussi. À un moment donné, je devais même boxer en pro. Je devais prendre une licence. D'accord, ok. Parce que je mettais les gants avec Hassine Chérifi. À Lyon, je boxais avec pas mal de pros. Je servais de sparring partner. On m'appelait. Je me débrouillais pas trop mal. Tu vois, on me dit, mais faut que tu boxes, c'est pas possible. Je dis oui, mais après, je dis, attends, si je fais ça. C'est reprendre une carrière. Ça va être compliqué, tu vois. C'est parce qu'il faut marquer le système de points. C'était compliqué de faire les deux en même temps. Donc, j'ai pas fait, mais. Voilà, j'ai servi de sparring partner à beaucoup de boxeurs pro en anglaise. Donc, j'ai fait l'anglaise, la thaï. J'ai développé mon propre système de self-défense, qui est l'urban fight. Donc, tu vois, je cherche vraiment juste l'efficacité. Donc, à quel moment tu te dis, tu as déjà plein d'activités, etc. À quel moment tu te dis, ouais, je vais lancer une chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube, c'est marrant, mais à la base, que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour promouvoir mon système de self-défense. D'accord. En fait, avec mon pote, Mimoud Khaldi, on a tellement réfléchi sur tout ce qui pouvait marcher. Alors moi, je me bats plus depuis très très longtemps. Ne vous battez pas. Mais j'ai une bonne expérience dans la rue. Et franchement, des pains, j'en ai pris un paquet. Ouais. Je me suis fait bouler. Bref, j'ai une certaine expertise dans la rue pour dire que comment tout le monde peut mettre, tout le monde peut mettre KO tout le monde et que c'est la jungle et que c'est très compliqué. Ouais. Tu peux pas vraiment te préparer réellement de façon à la rue. Bien sûr. Bref. Donc, on a créé un système où nous, on a épuré au maximum un truc qui soit très très simple et pas de plein de techniques qui servent à rien, de clés, de attends, je fais ça. C'est pas comme ça que ça se passe dans la rue. Tu prends un pain, il faut que tu réagisses et bon, basta en gros. Tu peux pas tout arrêter, c'est pas possible. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube pour promouvoir ce système. D'accord. Et je me dis comme ça, je voulais rendre populaire, et c'est encore le cas, l'Urban Fight. Créer vraiment un sport, une discipline. Que tu enseignes dans ta salle, etc. Non, pas dans ma salle. Tu voulais développer le. Je suis quelqu'un d'ambitieux, il faut que ce soit. D'accord, ok. Sinon, j'ai pas de motivation. Non, mais tu peux dire, je crée mon sport de self-défense et je l'enseigne. Non, toi, tu veux essayer de le diffuser au maximum. Ouais, c'est vraiment diffusé, et tout. Mais comme je fais du MMA, je fais de la lutte à livrer, on fait de la boxe thaï, on fait du kickboxing, on fait de la boxe anglaise, prépa mental, prépa physique, je dis, tu sais quoi, je vais réunir toutes mes compétences, sera plus simple et je partagerai avec tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, c'était quand que tu as lancé la chaîne? C'est il y a 3 ans maintenant. D'accord. Trois ans. 3 ans, on va arriver sur la 4e, je crois. Et alors, il faudrait que je vérifie. Juste. Mais je pensais pas, tu vois, quand j'ai créé ma chaîne, donc en fait, mon système d'urban fight, tout le monde s'en foutait. Les gens, ils voulaient que mon expertise sur la boxe. D'accord. Les sports de combat. Même le MMA, ça marchait pas. D'accord. Quand moi, je commençais le MMA dans les débuts, ça intéressait personne. Ouais, non, quoi, rouler au sol, c'est pas pour nous, on est des hommes, bref. Tu vois, les clichés un peu, à l'époque. Et du coup, ce qui marchait sur ma chaîne, c'était que les contenus de boxe. D'accord. Mais alors, parce que la question que je me pose, c'est qu'il y a ton contenu de boxe qui est très célèbre. Enfin, c'est un YouTuber qui est présent sur le YouTube game français, largement. Mais à quel moment tu t'es dit, vas-y, je vais essayer d'enrichir ça avec du coaching mental Le coaching mental, en fait, c'est bien avant ma chaîne. Okay, en vrai, moi, j'ai fait une fac de sport. Donc, en fait, j'étais un peu en échec scolaire quand j'étais petit. Comme je le disais, je faisais que de la castagne. Et mon rêve était de devenir champion du monde. Et je pensais qu'en étant champion du monde, je serais riche. D'accord. Voilà, tu penses que t'es riche. J'étais à ma mère, t'inquiète pas, je serai champion du monde. Je t'achèterai une maison avec piscine. T'inquiète pas. J'ai pas réussi encore pour moi. Et quand j'ai vu que la boxe, en vrai, pour en vivre, c'était compliqué. Même les cachets, c'était pas top, faut pas se mentir. Encore maintenant. Et un peu plus maintenant. Mais c'est compliqué quand même pour en vivre.
Bah, c'est compliqué. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai aussi. C'est compliqué. Il y a le top top peut en vivre, mais il y a le top top, c'est pas c'est beaucoup non. de monde. Donc, et en France, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il y en a vrai, ils ont tous un boulot de toute façon. Oui, oui, non, mais ça. Donc, quand je me suis aperçu ça, je ne me voyais pas, moi, être. Je ne suis pas quelqu'un de manuel avec mes mains. Mmh. J'étais le sport. Prof de sport serait le top. Donc, j'ai intégré une fac de sport. Et là, on m'a dit oui, mais attends, toi, tu viens d'un bac pro, tu ne pourras pas réussir. Tu vois, là aussi, ça a été des challenges dans ma vie. D'accord. Et donc, je venais avec des bagages en moins. Et j'ai bossé comme pas possible et malgré tout j'ai réussi. Tu vois. D'accord, ok. Donc voilà, et puis un jour, alors j'ai commencé par coacher Karim Benzema, tu vois, d'accord. En formation physique, parce qu'après voilà, j'étais professeur physique. Et après, on m'a présenté un autre joueur qui s'appelle Jim Briand. Et lui, à l'époque, il voulait pas de préparation physique. D'accord. Donc, je lui dis, je peux te préparer physiquement. Il me dit, non, non, ce que j'aurais besoin, c'est préparation mentale. Okay. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est bon, je gère. Et en vrai, à l'époque où je l'ai coaché, j'avais déjà pas mal de notions de neurosciences, un peu de PNL, tu vois, mais c'était très très sommaire. Mais comme je suis quelqu'un qui a confiance en moi, t'inquiète pas, je vais y arriver. Il m'a dit, je prends 10 ans avec toi et on voit ce que ça donne. Et au final, le mec il m'a dit, c'est bon, je signe avec toi une saison, parce d'accord. que j'avais réussi à apporter des changements. D'accord. Tu vois. Et à partir de lui, j'ai eu d'autres joueurs de foot. D'accord, beaucoup de foot. Et donc après, donc, j'ai dû encore plus peaufiner mes connaissances. Et donc là, je me suis mis en mode, j'ai tapé des nuits blanches, j'ai acheté plein de livres, des conférences, je me suis formé dans tout ce qui est développement personnel pour être d'accord. coach mental. Et donc voilà d'où est venu le coach mental, préparateur physique, youtubeur, okay. ma chaîne, mon système de self-défense et je mélange tout. Cet voilà. aspect touche à tout voilà qui est assez fort. Hein. Faut réussir à être pertinent dans tous les domaines, c'est pas évident. Des fois c'est dur parce que c'est le temps qui manque. Ouais. Pas l'énergie mais c'est le temps. Donc, ok. Voilà. Donc, du coup tout prend plus de temps. Et donc cet aspect auto-formation là que tu as eu c'est pas trop dur de s'entraîner seul ou de progresser seul ou de se former seul. En fait pour moi ça n'a pas été dur. Pourquoi? Parce que je m'entraînais seul déjà depuis très longtemps. Même quand je m'entraînais dans une salle de boxe, je m'entraînais dès que je pouvais. À l'époque je prenais des pierres, je faisais du shadow avec des pierres. J'allais courir footing, j'étais dans la forêt, des pierres, j'avais beaucoup de vidéos, j'essaie de reproduire, j'essaie de répéter les enchaînements, beaucoup de shadow. Donc en fait, les entraînements, j'en faisais tout le temps. Donc j'avais l'habitude de m'entraîner seul. Et à un moment donné, je me suis embrouillé avec mon entraîneur. Voilà, d'accord. Donc terminé. Et donc, le seul boxe. D'accord. La boxe, okay. C'est le seul. Je me suis embrouillé, donc je me suis retrouvé sans club. D'accord. Donc il fallait bien que je m'entraîne seul. Donc j'avais un pote qui était pro. Avec qui je m'entraînais un peu, il me tenait les pots, je tenais les pots, on s'entraidait, tu vois. Et j'avais un autre pote, Patrick Barouli, qui était un mec qui était un ancien champion d'Europe de kickboxing, qui est prof maintenant, et qui me donnait un coup de main, tu vois, d'accord. dans ma préparation. Et après, tout le reste était seul. D'accord. Mais sur ma fin de carrière, je faisais des combats sans faire de sparring. Donc, okay. Que des vidéos et entraînement seul, répéter les enchaînements. Donc ça a marché. Ça fait un lien intéressant avec, avec ta formation. Exactement. Que tu sors là, Je vais te laisser en parler, mais avant, je voudrais qu'on aborde ce sujet-là. Ou si vous regardez ma toute première vidéo, je dis qu'on ne peut pas apprendre à boxer sur Internet parce que apprendre à boxer, c'est donner des coups, en recevoir, timer des attaques, timer des contres, apprendre à ne pas fermer les yeux, à ne pas tourner le dos, à accepter la douleur. C'est tellement de choses qui fait que moi, je ne crois pas en la formule miracle qu'on peut vous vendre parfois sur Internet, du genre passer votre ceinture noire. On va le citer, hein. Moi, ce que propose Frank Roper, par exemple, j'y crois pas du tout, le truc de formez-vous en ligne et puis vous devenez une bête dans la rue parce que vous avez appris tout seul à vous défendre, etc. J'y crois pas parce que je pense que le contact, c'est quelque chose qui doit se vivre. Comme tu viens nous parler de ta formation, pour être à l'aise, je suis obligé de te challenger là-dessus. Qu'est-ce que tu penses à des gens comme moi qui pensent un peu ça? Comment t'apportes cette notion-là, toi? Alors, je vais être d'accord avec toi. Et pas d'accord avec toi. D'accord. Tous les gens qui nous regardent, est-ce que en regardant tes vidéos à toi, ou ceux qui me suivent, est-ce que vous n'avez pas appris en regardant nos vidéos? Forcément, la réponse, elle est oui. J'espère. J'ai eu plein de messages. Ouais. Il y en a qui ont combattu, il y en a qui ont gagné des combats, qui ont appris. Donc, pour moi, on ne peut pas devenir boxeur en regardant des vidéos, mais on peut apprendre à boxer. C'est ça qui est une nuance. C'est-à-dire d'accord. que moi, ce que je promets, je ne vous promets pas que vous allez devenir champion du monde. Et encore, quoique, ça dépend si vous complétez ma formation avec vos entraînements à vous. Vous pouvez y arriver, comme okay. moi je l'ai fait en fait. Donc on peut apprendre la boxer, parce que tous les enchaînements, les automatismes, les protocoles, tu peux apprendre tout seul. Ce que tu ne peux pas apprendre, c'est le rapport à la douleur, notion d'incertitude, ouais. où tu ne sais pas d'où ça vient, le contexte de timing, la gestion d'accord, de l'effort, okay.
l'émotion, la gestion de la tactique du gars, il boxe, il est plus grand, il est plus costaud. Donc tout ça, bien évidemment, je ne peux pas vous l'apprendre. Mais par contre, je peux vous apprendre à boxer, à comment mettre des points, à faire des enchaînements, à travailler les esquives, à travailler... En fait, aujourd'hui, on peut pratiquement tout apprendre. Et je vais me servir d'une expérience en neurosciences. Ils ont découvert qu'on avait des neurones miroirs. Les neurones miroirs, qu'est-ce que c'est? C'est rien que le fait d'observer quelque chose, on pouvait se l'approprier. Ouais, et ils ont démontré que ces neurones miroirs fonctionnaient de la même que les neurones motrices. C'est-à-dire que quand je fais un geste, bah, toi, c'est des neurones motrices qui vont agir. Et bah, le fait de voir agir, il y aura le même impact sur mon cerveau que de le réaliser réellement. Mmh. Comme votre subconscient, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, tout ce qui est imaginé pour lui, il le prend comme une réalité. Ce qui fait qu'en observant un geste, ça fait des micro-contractures du muscle concerné. Mais attention, ce n'est pas en regardant la vidéo que vous allez boxer comme lui. Vous allez boxer par petits bouts. C'est-à-dire que votre cerveau, ah ouais, c'est pas mal ça. Et là, il y a un petit truc, ouais, c'est pas mal ça. L'esquive, tiens, sa façon de rentrer un coup de coude. Donc, c'est des petits bouts que tu vas pouvoir refaire. Et du coup, et ça, je peux vous le promettre, je peux vous le garantir, hein, de toute façon, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. C'est qu'en regardant juste des vidéos, des combats, vous allez à un moment donné reboxer, vous allez réutiliser ces techniques que vous avez vues juste une fois, enfin plusieurs fois, vous allez pouvoir les replacer en combat. Ou essayer de les replacer. Enfin, parce que moi, je te rejoins là-dessus. Hein, l'apprentissage par la vision, n'importe quel boxeur regarde des combats. Et puis, moi, je sais pas, moi, toute ma vie, j'ai regardé des Thaï boxer et j'ai regardé voilà, les petites nuances qu'on pouvait voir. Et essayer après, le combo, il est sympa, j'essaie de le ressortir à la salle. Après, voilà, moi, j'avais un peu en tête l'aspect, je complète ce que je fais à la salle. Toi, ce que tu dis, c'est que on peut apprendre plus des gestes, des techniques, et éventuellement compléter ça avec du travail à la salle. On peut apprendre à boxer. Alors, quand on dit vidéo, c'est que le gars, il va regarder une vidéo, mais il va reproduire. Ouais. Donc, moi, ce que je propose, c'est avec un sac de frappe et des élastiques. L'idéal, c'est un sac de frappe parce qu'il y a de la résistance. Tu vois, tu peux mettre de l'impact, sinon, des élastiques. Il y aura une résistance, mais ce ne sera pas tout à fait pareil. Et ce qui fait que je peux vous apprendre à vous déplacer, l'attitude. Comment on se protège, comment on met tous les coups, les low kick, les middle, les front kick, les genoux, les coups de coude. Après, c'est comment on combine tout ça. Comment vous allez mettre de la fluidité, comment vous allez travailler votre synchronisation entre un coup, un pas, un coup. Comment tu combines les poings, les pieds, comment tu vas bloquer les je bloque, si tu vas simuler un blocage, bam, et tu vas riposter. Donc en fait, tu vas pouvoir riposter et enchaîner et emmagasiner énormément de techniques. À force de te répéter, c'est un entraînement. Donc ce que je vends, c'est pas une vidéo, c'est une formation, c'est un programme. Mm-hmm. Il y a en fait 9 étapes. Il y a 9 niveaux. Okay. Et donc, chaque niveau, bah, tout dépend du niveau de chacun, comment lui va évoluer dans 3 mois. 6 mois, après, c'est non limite. Mais je les accompagne pas à pas avec un programme technique, un programme de renforcement musculaire et un programme de préparation physique. Donc, il y a 3 programmes. Il y a 3 cadres, enfin 3 couloirs, on va dire, de progression. Par niveau. À chaque fois. Et les gens peuvent faire comme ils veulent. Par exemple, toi, tu as une bonne condition physique. On part du principe. Pas du tout. Alors, on va partir du principe. Alors, tiens. Un bon niveau technique, c'est alors, la condition physique alors, un peu tiens, défaillante. On va voir que tu as une très bonne condition technique, tu es bon. Donc, tu vas peut-être prendre le niveau 8 ou 9, tu vois. D'accord. Mais physiquement, comme tu es un peu à la ramasse, tu prendras peut-être le niveau 3. D'accord. Et renforcement musculaire. Au milieu. Tu vas prendre, allez, 6 ou 7. Tu vois. Donc, en fait, c'est un programme où tu vas le faire à ta sauce. Alors, du coup, si je commence la formation, est-ce que j'ai une phase d'auto-évaluation où tu dis, tu donnes voilà, très les niveaux. Alors, j'explique aux gens comment ils passent d'un niveau à un autre. D'accord. Ils vont passer d'un niveau à un autre déjà dès que ça va les saouler. Dès qu'ils voient que c'est barbatif. Alors, le programme, en fait, tu ne fais jamais la même chose. C'est vachement varié les enchaînements que tu as à apprendre. Tu dois travailler, tu dois dire, là, tiens, aujourd'hui, tu vas fabriquer tes propres enchaînements. Je vais montrer, j'en montre plein, je donne plein d'exemples. Mais les gens ne vont pas boxer comme moi ou ce que j'aime moi. C'est chacun à son système, à son style. Donc, ils vont développer des enchaînements. Dans le programme, c'est leur programme, en fait. Ah. Est-ce que pour que ce soit bien clair le contenu de la formation, parce que c'est intéressant, est-ce que tu peux expliquer sur les 3 axes par quoi tu commences et la progression, tu vois, de 0 premier à 9 niveau, sur les 3 déplacement, donc quoi, attitude, dans condition physique dans le premier niveau, on commence par quoi? Par l'échauffement, renfort musculaire, tu vois. Après, tu as la partie technique et après, on finit par la partie physique. Ah, donc les 3 niveaux, ils s'empilent En fait, c'est 3 niveaux, c'est 3 parties dans un niveau. Dans chaque niveau, tu as 3 parties. Ah, d'accord, excuse-moi. Je pensais qu'il y avait 3 couloirs. Si tu veux. Donc, dans le niveau 1, bah, tu as un peu de physique. Par exemple, ça peut être échauffement, une minute de corde à sauter, 10 pompes. D'accord. Juste ça.
un truc très très simple, parce que le mec, il a pas de condition physique. D'accord. Et après, dans le reste, ça va être des trucs en apnée, avec des traits musculaires, avec des phases d'accélération. D'accord. Donc, tu vois, c'est le grand écart. Donc, en fait, dans chaque niveau, dans chaque d'accord, étape, il y a trois cases. Il y a trois parties. D'accord, ok. Voilà. Alors, mais ces parties-là, ils peuvent, eux, Oui, choisir. Tu choisis, ok. Je prends le niveau 1 de la présence physique, je prends le niveau 3 de la boxe et le niveau 4 de la renfo. Alors, donc... Pour la préparation physique, tu en as parlé, donc c'est la corde à sauter quand tu commences, et puis après, il y a des trucs en apnée. Non, ça c'était le renforcement musculaire. Renforcement musculaire, excuse-moi. Ouais. Sur la technique, tu commences par quoi et tu vas jusqu'où, en gros? Technique, on va commencer par un truc basique. Hein. C'est simple, c'est déjà comment on se déplace, l'altitude, la position de nos mains, comment on place nos jambes, comment est gauche, droite, low kick, middle, high kick, juste ça, et comment on combine tout ça. Et comment vous allez devoir automatiser ça. La plupart des gens, en fait, quand ils vont boxer, les amateurs, bah, en fait, quand ils vont boxer, ils font toujours la même chose. Ou que les poings, ou que les pieds. Je parle des amateurs qui commencent, vraiment l'amateur. Ouais, la transition, C'est lui dire, écoute, là, on va apprendre déjà à automatiser et à enchaîner. Ouais. Après, là, quand tu finis qu'un point, t'envoies la jambe opposée à 90% pour le transfert poids de corps. Comment tu vas construire tes enchaînements et comment tu vas enchaîner avec la synchronisation, le transfert poids de corps pour être puissant dans toutes tes parties. Donc tout ça, voilà, on les apprend dans les trois niveaux. Après, bien évidemment, les blocages, après, on commence à entrer dans les ripostes. Et au fur et à mesure, en fait, on monte de niveau. D'accord, ok. Donc, on rajoute la riposte, on rajoute tel coup, là, on rajoute le coude, là, on rajoute le genou, coupé retourné. Et en fait, toutes les parties techniques, ça augmente. Les changements de ligne, les décalages, les feintes, comment on casse la distance, comment on tient la distance. En fait, c'est... Et tu vas jusqu'à du très haut niveau, là, par exemple. C'est quoi le plus haut niveau? Tu parles de quoi dans les sujets? N'importe quel gars, mon petit frère qui boxe, ou mon élève pharésien qui boxe à l'UFC, ou mon frère qui boxe à la Glory. Il peut très bien prendre le niveau, au niveau 7, 8 ou 9 en préparation physique. Il va se préparer pour ce combat. Ça sera un complément de son entraînement. Okay, parce qu'il va devoir faire du sparring à ce niveau-là. Il va devoir faire peut-être bien un peu de pistes. Tu vois, voilà. Mais déjà avec ça, et quelqu'un qui prendrait que ça, il serait au top. Mais pour la compétition, il faut qu'il rajoute. Il faudra du sparring, évidemment. Ah, il faut du sparring. Ouais. Il faut. Pour être très honnête avec toi, j'aime bien l'approche parce que tu vends pas du rêve aux gens non plus, parce que c'est important. Là-dessus, moi, je suis toujours très honnête, quoi. Et je le dis même dans une page de vente. Je vous apprends à boxer, pas devenir boxeur. Voilà. Parce que ça serait une fausse promesse. Ok, donc c'est intéressant. Donc, c'est vraiment la gestuelle, etc. Et puis la condition physique, où ça, le coup, ça peut vraiment se bosser seul. Physique et aussi quand tu vas mélanger physique, technique, tu développes ton mental. Et le mental, parce que tu apprends à dépasser tes limites. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, le niveau 1, il est très facile. D'accord. C'est que n'importe qui, un gars qui n'a aucune condition physique, pourra démarrer par ce niveau-là pour augmenter sa capacité physique. Et donc, s'il a une capacité physique plus élevée, il pourra s'entraîner plus longtemps. Et au début, niveau 1, c'est un entraînement qui dure 20 minutes. 3 fois par semaine, conseillé, tu vois. D'accord. 3 fois 20 minutes, ça fait une heure. Tout le monde peut le faire. Ouais, okay. Tout le monde peut le faire. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que les gens qui soient simples. Voilà. C'est les gens qui ont pas de salle de boxe à côté de chez eux ou qui n'ont pas le temps. C'est ça. Ils puissent s'y mettre. C'est ça. Et puis éventuellement, ils prendre goût et donc après c'est faire l'effort de les chercher. Ça. Ouais. C'est okay. Ça. Ok, c'est intéressant. Et du coup, en termes de feedback là-dessus, parce que moi, j'ai tendance à dire que sur l'acquisition de gestuelle, il y a besoin de feedback. Tu as prévu quelque chose? J'imagine que tu peux pas corriger tous les gens qui vont. Très bien. Qui vont. Toi, tu poses des questions super pertinentes. Mais... C'est très bien parce que là, en fait. T'as vu, la boxe, c'est très subjectif. Ouais. Donc, tu peux pas vraiment te rendre compte, toi, si t'es bon ou pas. Et puis, moi, je vais te faire un enchaînement. Toi, tu vas te dire que c'est bon, et puis l'autre, il me dira, c'est pas non. Donc, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est comme pour une perte de poids. Donc, dans la formation, je vous dis, voilà, je vais vous demander de vous filmer. Donc, quelqu'un vous filme avec un téléphone, vous mettez votre téléphone quelque part, et que quand tu fais du sac de frappe ou avec tes élastiques, je tiens à préciser que ce programme, du coup, avec les élastiques, tu pourras t'entraîner même en vacances, dans ta chambre d'hôtel. Où tu veux, tu pourras continuer à t'entraîner et à suivre ce programme. Donc, toi, c'est quand même pas avantageux. Et c'est de te filmer. Et tu vas filmer tes débuts. Et tous les mois, tous les trois semaines, tu te refilmes. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'au début, tu n'es pas enchaîné. T'es pas fluide. Les coudes, ils sont comme ça. Et au fur et à mesure que tu le filmes, toi-même, déjà, tu pourras te corriger. Ensuite, si pour des gens qui manquent de confiance en eux, ils ont du mal à se juger. Ouais, non, ils n'aiment pas se regarder. Ouais. Pas trop l'aime. Eh bien, j'ai créé un espace membre où ils postent leurs vidéos. Et demande aux gens du groupe de les corriger. Dans la formation Et d'avoir un feedback. Okay. Donc, tu as deux manières de le faire. Et puis, toi, tu peux suivre éventuellement, jeter un coup d'œil éventuellement. De si temps t'as le temps. En temps. Ouais. J'imagine que tu peux pas faire ça sur tout le monde. Non, et s'il y a des cas qui font débat, c'est quoi? C'est une page Facebook? C'est une page quoi? C'est sur Facebook, ouais. Un groupe privé Facebook, c'est les gens qui ont ta formation. Ils postent leur vidéo. Mmh. Et quand tu vois s'il y a débat, tu peux éventuellement trancher en dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien, etc. En fait, il y aura un débat. Après, le gars qui fait un débat, l'autre qui va dire.
Alors déjà, c'est des gens qui sont passionnés, ils sont dans la bienveillance, ouais, c'est des gens sûr. Qui sont là pour t'aider, ils s'entraident entre eux. Donc déjà, voilà. Et si quelqu'un dit, ouais, pour moi, ta jambe, tu peux pas te passer, l'autre va dire, non, ton enchaînement est mal pourri, ça va débattre. Et lui, bah, il verra ce qu'il a plus convaincu. Et tu peux être le juge de paix aussi, à un moment. Je peux être le juge, mais c'est pas mon rôle. Ouais. Je vais pas mentir, c'est pas ce que je ferai. D'accord, ok. Non. J'ai pas le temps pour ça. Bah, au pire, vous m'enverrez la vidéo et voilà. Puis je ferai un inspecteur Antoine dessus. Mmh. Et voilà, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous faites suivez la formation de Fouad. En fait, vous m'envoyez la vidéo et moi, je ferai un petit. Si tu me le permets. D'ailleurs, si moi-même, je vais piquer ton concept. Je sais pas comment j'ai appelé, mais c'est une très très bonne idée. Avec c'est plaisir. Une très bonne idée parce que dans ce que tu as fait, t'es le seul à faire ça. Tu vois, donc je vais piquer ton idée. Hein, je le dis, ouais, je vais piquer. Alors, pas piquer, on partage. Bien sûr, de toute façon, partage, là, bien, ouais. C'est du partage. Et voilà, mais c'est, et en plus, je citerai que ça vient de toi, hein, bien évidemment. Mais peu importe la raison. Et ce qui est bien, c'est parce que les conseils que tu vas donner à un, très souvent, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est génial. Bien sûr. Mais ça, c'est une idée, mais quand tu m'as montré ça, je dis, ah ouais, toi, t'es fort. Ah, c'est génial. Non, c'est super. Bon, en tout cas, vous vous rappelez, hein, quand Fouad il m'a accueilli à Lyon, la chaîne était microscopique, encore plus microscopique que maintenant. Ouais, donc, maintenant on est vraiment dans le partage sur tout ça, il n'y a pas de souci. On a 5500. Là, et quand t'es arrivé, t'avais 1500, je crois. Chez toi, ouais, je veux 1002, je crois, un truc comme ouais, ça. D'accord, ouais, t'as comme en un an, ah ouais, ça va. Ouais, on fait notre c'est petit bonhomme de chemin, hein, tu sais. Mais ouais. C'est moi qui t'ai posé une question. Quel est l'objectif de ta chaîne maintenant? Mais je vais être très franc avec toi, okay. Ce que je dis le début, ouais, moi j'ai rien à vendre, je fais ça par pur amour du Muay Thai. Mon objectif, il est simple, c'est de faire je le dis souvent, mon objectif c'est de démocratiser le Muay. Parce que le Muay Thai, c'est très peu connu en vrai, en France, le vrai Muay Thai. Hein, soit nos champions sont pas connus, soit c'est pas les bons qui sont mis en avant. C'est un sport passionnant, il y a énormément de choses à découvrir. Donc moi, ce que j'essaie de faire à ma petite échelle, c'est de parler de Muay Thai, de donner envie aux gens de pratiquer, de voir un peu ce que ça donne, d'essayer. Et voilà, juste qu'on parle du Muay Thai. Que les gens, si tu vois, regarde les gens qui me disent, ouais, je te pique le concept, machin, bah génial, parce que ça fera parler de Muay Thai derrière, etc. Donc c'est vraiment juste du partage et je fais ça avec des petits moyens, ça me prend le temps que ça me prend et du coup, bah c'est cool parce qu'il n'y a pas de pression derrière, quoi. Donc, Ok, est-ce que vous m'autorisez à lui mettre des pics, des électrochocs, peut-être? En fait, alors c'est bien, c'est très très bien en fait de la manière, parce que tu mets pas de pression, pas de stress, et c'est juste un plaisir et comme ça restera toujours un plaisir. C'est toi. Ça. Mais en même temps, et si vous regardez, c'est très très important ce que je vais vous dire, mais vraiment très très important pour votre vie, c'est que si vous ne vous donnez pas d'objectifs dans votre vie, vous serez comme des zombies dans Walking Dead, c'est que vous allez vivre au jour le jour, et vous serez à l'opportunité, ah tiens, il y a un truc à faire, tiens, il y a du bruit là, ils marchent, ils entendent un bruit, ils y vont. Ça veut dire que vous allez vivre avec des opportunités, mais très souvent, les gens qui ne se fixent pas d'objectifs, c'est tout le temps, ils vont se retrouver à un endroit qu'ils ne voulaient pas, et surtout, ils vont avoir une vie en fait, qui ne va pas être très riche. Alors toi, c'est différent parce que tu as des objectifs familiaux, professionnels. C'est ce que j'allais te répondre. Ouais. Voilà, donc mais dans ta chaîne, si tu mettais un peu plus d'objectifs, peut-être que ça va te mettre un peu plus de pression, c'est vrai. Non, que, c'est sûr. Que tu n'aimes pas. Mais en même temps, ça te pousserait, ça te donnerait une motivation supplémentaire pour l'améliorer. En fait, bah alors, voilà. En fait j'ai pleinement conscience de ça. Parlons-en, faisons un peu le point. Si tu veux, après, on va dire que des challenges dans la vie, j'en ai beaucoup, que ce soit professionnel, oui, ou familiaux, etc. Et du coup, en fait, moi, je fais la chaîne vraiment par passion, etc. Et j'ai pas envie d'avoir de pression là-dessus parce que j'ai envie que ce soit un plaisir pour moi. Et évidemment, c'est toujours intéressant de se challenger. Mais là, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, quand je filme avec mon téléphone portable. Là, j'ai acheté des micros pour que vous n'arrêtiez de rien entendre à ce que je dis. Mais le montage, je le fais dans les transports en commun quand je vais au boulot, tu vois. Donc, j'ai 30 minutes de montage par jour. Pour monter un peu des vidéos, c'est un truc où je peux pas y consacrer du temps et je veux pas y consacrer du temps en fait, parce que voilà, j'ai assez de choses à côté et ce mode-là me va bien. Du coup, je fais pas de promesses aux gens non plus, donc moi ça me fait plaisir. J'ai rencontré plein de gens avec la chaîne, que ce soit toi ou d'autres grands champions ou d'autres entraîneurs, etc. Donc ça me fait grave kiffer. Et donc tant que je kiffe, c'est juste du kiff. Tant que je kiffe, je continue. Le jour où j'en aurai marre, je disparaîtrai directement. Si ça se développe, tant mieux. Et puis là, maintenant, déjà avoir franchi la barre des 5000 pour moi, c'était déjà énorme. Tu vois, quand je commençais, je pensais aux 5000, je me disais peut-être que j'y arriverais, ça serait déjà fou. Et là, maintenant, les vidéos, les gens échangent un peu en commentaire, les gens envoient souvent des messages sur Insta, Cool. Y a de l'échange, c'était pour ça que je voulais avoir une plus petite communauté, et donc je suis super content comme ça, et évidemment je pourrais être beaucoup plus ambitieux, mais j'ai pas cette volonté-là pour le moment. D'accord.
Ok. Bon, on a super bien échangé, Fouad. Ouais, cool. Merci à toi. Merci infiniment. Je pense que ça intéressait les gens de connaître un peu ton parcours, et moi aussi, parce que je connaissais pas évidemment tout. Donc, ta formation sort dans les jours qui viennent. Exactement. Comment on fait si on veut regarder ta formation? Franchement, je vais te donner un lien. Tu pourras le mettre dans la description. Ouais, mais la vidéo va sortir avant que ta formation sorte. Ouais. Donc, le lien sera dans quelques jours. Sinon, sur ma chaîne, ouais. SBRIFY TV, voilà, ou mon site internet sbrifytv.fr. Voilà. Donc, si vous voulez ou augmenter votre niveau en boxe et avoir un entraînement que vous pouvez faire plus, parce que peut-être que ou vous n'avez pas accès à une salle de boxe, ou vous manquez de temps, ou des fois d'énergie, ou des fois vous n'êtes pas trop régulier dans votre motivation, bah, sachez qu'avec cette formation, vous pourrez avoir une formation qui vous servira toute votre vie. Parce que voilà, elle n'est pas limitée dans le temps, hein, parce que les techniques ne vont pas changer avec le temps. Et puis voilà, puis comme ça, vous pourrez vous entraîner quand vous en avez envie, quand vous voulez. Et si vous voulez vraiment progresser, bah, vous pourrez en faire plus. Et puis voilà, et puis s'il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent juste rester en club, vous avez aussi raison. Donc voilà, ça c'est... Chacun voit midi à sa porte, c'est sûr. Ok, et ben bah, Fouad, merci infiniment. Merci à toi. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. On peut faire un ish ou pas? Tu veux vraiment... Maintenant, on vous dit à vous de jouer. Ish!